Bon, allez, c'est bon, on est reparti. Attendez, je ferme tout ça. J'arrive. Ah, ça fait trop du bien de s'asseoir. Comme vous avez pu remarquer, j'ai la voix à Maurice. Je n'ai pas la même voix que d'habitude. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis, mais alors, méga contente de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous pouvez l'entendre, la voix, ça va un petit peu mieux. J'ai pas tourné de vidéo pendant 15 jours, je crois. Ouais, 15 jours. Mon Dieu, que ça m'a manqué. Je suis hyper heureuse. J'ai allumé la caméra, là, j'étais trop refaite. J'ai mis mes éclairages et tout. J'ai dit, oui, enfin, je peux retourner. Mais comme vous pouvez voir, je suis encore là sous antibio. Enfin, là, ça va mieux, quoi. Je veux dire, je suis pas à l'arrêt de mort. J'ai pas eu de fièvre ni rien. Je me suis tapé une laryngite. Trop bien. Ça fait un moment que j'ai pas été malade. Et bien sûr, j'ai moins de voix. Donc je pense que ça va faire plaisir à certains, ceux qui me disent que je parle fort. Je pense que ça va juste diminuer un petit peu, comme j'ai une intonation de voix qui est assez importante. Mais ça va mieux et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc c'est une vidéo sur les nouveautés. Il y a plein de nouveautés, les gars, qui sortent. Et je voulais vous en parler. Donc on va parler un petit peu des petites choses qui m'intéressent, qui m'intéressent pas, ce que j'en pense ou quoi. Bien sûr, je n'ai pas encore ces nouveautés parce que c'est pas encore sorti. Comme vous avez pu voir, il y a plein de choses qui sortent, que ce soit chez Sephora, Anastasia Beverly Hills, Charlotte Tilbury, Natasha Denona. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui me donnent envie, comme d'habitude, notamment il y a une palette là, oh my god, qu'on va parler. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. Moi ça va, j'ai pas de vacances cet été, comme vous le savez, j'ai énormément de travail, j'ai un boulot fou, j'ai les vidéos qui sont un peu en retard, donc ne m'en voulez pas parce qu'avec tout ça j'ai pris du retard, les enfants en vacances, enfin, bref, vous savez ce que c'est, je ne vous invente rien. J'ai quelques petites choses à vous dire avant de commencer cette vidéo sur des produits et notamment sur ma micro blending. Vous étiez hyper nombreux à me poser des question. Donc comme vous pouvez voir, là je suis encore en cicatrisation. Je vous mets quand même le lien de la vidéo. J'en ai parlé dans mon vlog, donc dans la vidéo qui est juste avant. Vous avez juste à cliquer là et vous pourrez voir comment ça se passe. Bien sûr, j'ai pas mis sa technique, elle, comment elle le faisait, parce que je trouve que c'est personnel, c'est son travail et je n'ai pas à dévoiler comment elle fait. En tout cas, quand je me regarde, les gars, je suis hyper contente du résultat. Elle bosse super bien, mais vraiment super bien. Elle prend le temps, c'est une pro quoi, il n'y a rien à dire là-dessus. Pour le moment je suis contente, le rendu est magnifique. Il y en a qui m'ont dit mais on n'a pas l'impression que tu as fait une micro. Ben, c'est exactement ça. Je voulais pas quelque chose de fake, je voulais quelque chose qui reste naturel. Et c'est vrai que ça m'a ouvert le regard. En tout cas je suis super contente. On va attendre parce qu'il y a je crois une semaine de cicatrisation. La couleur va encore changer, après ça passe au gris. C'est pas encore fini. Donc il faut vraiment attendre le résultat final. 4 semaines j'aurai un remplissage. Pareil, je pense que je vous referai une vidéo, je vous en reparlerai. En tout cas elle s'appelle Nice House 74. Elle a une page Instagram. Franchement, allez voir. Ceux qui habitent dans la région, franchement, allez la découvrir. Prenez un rendez-vous. Les yeux fermés. Honnêtement, les yeux fermés. Je m'entends parler, c'est horrible cette voix quoi. Mais horrible. Je voulais vous parler des produits que j'ai reçus de la part de Sweet Fashion, que je remercie franchement infiniment. Vous étiez nombreux à me dire, à me donner des avis différents sur ce produit. C'est des choses que je suis en train de tester et que je reviendrai vers vous. J'ai déjà testé, franchement, c'est trop top. Honnêtement. Après, ça convient pas à tout le monde. Ce sont des soutiens-gorge invisibles, comme ceci, je vous montre. Ça se présente comme ça. Soutien-gorge invisible, bien sûr, que vous collez sur votre poitrine pour avoir en fait un effet top quand vous avez des décolletés, quand vous sortez le soir. J'ai essayé et quand t'enlèves... Ah, par contre, j'aime pas la sensation quand t'enlèves le truc, quoi. Ah, moi, j'aime pas, ça me fait trop bizarre, l'impression que ça m'arrache tout, en fait. Mais non, en fait, c'est tout à fait normal. Ça colle super bien. De toute façon, je vais vous en reparler parce que j'ai une sortie là avec ma meilleure amie. Donc, je vais vraiment les tester. Là, je suis en train de les voir. J'ai reçu deux couleurs. Vous avez des noirs et des couleurs chères, comme ça. Vous avez plusieurs tailles. Alors on est bien d'accord, je pense que les personnes qui ont plus de poitrine ou la poitrine un peu plus lourde, je pense que ça ne sera pas adapté. Là il y a du LXL. Vous voyez, le LXL n'est pas non plus énorme au niveau des tailles. Vous avez du SM et c'est tout je crois. SM, LXL, ouais c'est ça. Et du S. Moi je pense que je suis dans le M. Voilà. Mais franchement, ça c'est le truc trop pratique les gars. Franchement c'est trop bien. Moi je vais tester avec des décolletés et tout, c'est trop bien, ça tient bien. Vous avez vu, on a des petites oreilles de lapin là, vous avez vu? Ça prend bien la forme de la poitrine. Et ce qui est bien aussi, la poitrine elle est relevée. Donc ça vous fait un joli décolleté. Ça fait pas le truc tout plat, vous voyez ce que je veux dire? Ça fait un joli, une jolie forme. Donc c'est sûr, on est d'accord, c'est pas le truc sexy, voilà, où tu vas te coucher le soir avec ton chéri. On est bien d'accord, mais en tout cas je trouve ça hyper pratique. Moi j'en ai déjà utilisé quand j'ai eu des mariages ou quoi, ça m'a vraiment servi, je trouvais ça le truc trop bien. C'est sûr qu'au bout d'un moment, le truc il colle plus. On est bien d'accord, ça va pas coller pendant un an. Mais ça franchement, celui-là il tient trop bien. En fait je suis hyper surprise du résultat. Écoutez, je vous en reparlerai, mais en tout cas je vous mettrai son site et le lien. Elle est super sympa de m'avoir envoyé tous ces petits soutiens-gorge invisibles. Donc voilà, si vous voulez aller voir, si vous voulez tester, je vous en reparlerai, venez en commentaire, il n'y a pas de souci, je donnerai plus d'informations. Voilà.
Alors c'est parti pour les choses que j'ai sélectionnées en nouveauté. J'ai vu que la Kylie Jenner, oh, elle nous a sorti une collection là de malade, mais de malade. Il y a un highlighter, une palette, des highlighters aussi liquides, rouge à lèvres, liner, j'adore, j'adore. Franchement, bon, elle excelle hein. Dans le make-up, Kylie, elle excelle, les collections sont sublimes. Après, j'étais pas du tout attirée par contre par sa gamme de soins, que je kiffe pas et je pense pas que ça va me faire des effets, donc j'oublie la gamme de soins de Kylie. Après, je peux me tromper, sachant que chez Kylie Jenner, vous avez des frais de douane, ce qui juste nous bloque, mais te bloque carrément. Sauf quand tu reçois 50 balles, en fait, c'est quitte ou double. La dernière fois, j'en ai pas eu, et une fois, j'en ai eu. Et une fois, franchement, j'avais fait une grosse commande, et j'ai dit, ouf, j'ai pas eu de frais de douane, j'étais trop contente. Mais là, la collection, franchement, elle est trop belle. J'hésite encore, mais par contre, les highlights et tout, ça me dit bien, et la palette, elle me dit trop. Les fards sont magnifiques. Je sais pas si ce sera pigmenté ou quoi, mais je trouve ça sublime. De toute façon, je vous mets les photos au cours de la vidéo, mais j'adore. Je sais, vous allez me dire, c'est trop cher, Charlène, avec les frais de douane. Je suis tout à fait d'accord. Après, moi, c'est vrai, quand un produit me plaît, de toute façon, je sais, si je commande, je sais que j'aurai des frais de douane, ça c'est clair et net. Mais franchement, je trouve ça magnifique. Les rouges à lèvres, ils sont sublimes. Il y a une sorte d'un peu de rouge, mais vraiment un rouge vif, un nude et un sorte de bordeaux. Ensuite, on continue. J'ai vu une nouvelle palette. Alors, j'ai vu une nouvelle palette de Morphe avec Jeffree Star. Vous savez que Jeffree Star, franchement, il fait des trucs de malade. Les palettes sont juste incroyables. Alors là, je suis sceptique parce qu'en fait, je sais pas si je vais les mettre ces couleurs-là. Elles sont très belles. Comme vous pouvez voir, c'est très flashy. On a du vert, on a du rose, on a de l'argenté, on a du gris, on a du doré, on a de l'orangé. Elle est complète la palette. Hein. Franchement, tu peux faire des mix de malade. Elle est franchement, elle est belle. Bon, c'est vrai qu'elle est belle. Mais j'hésite parce que je sais pas si ces couleurs-là, je vais les mettre tous les jours. Parce que dommage, si j'utilise un ou deux fards, c'est dommage. La palette, par contre, c'est vrai qu'elle est belle. Parce qu'en fait, il y a de tout. Du vert, du rose, du orange. Il y a une sorte de cuivré, je vois. Et il a fait là donc la collab avec Morphe. Donc ça, je trouve ça trop bien. Donc franchement, la palette, j'hésite, mais j'aimerais bien la swatcher. Et il a sorti ensuite, dans la collection Morphe, une collection, je suis en train de regarder là. Vous avez, ça s'appelle le Set Star Berry. En fait, vous avez une brume rafraîchissante. Ça, par contre, j'aimerais bien me la prendre. Vous avez une collection de brosses à yeux, 10 pièces. Je crois que c'est 42$, donc ce sont des pinceaux. Oh, c'est trop beau. Et vous savez que les pinceaux sont aussi à l'achat individuel, donc ce qui est pas mal. Et apparemment, la brume rafraîchissante, il y a une petite fraise. Et donc, c'est à la fraise, je vais kiffer. Et ça, je pense que la brume, je vais me la prendre. Honnêtement, ça me dit bien de me prendre la brume. Oh, le packaging rose comme ça, c'est hyper girly. Mais ça, ouais, ça, ça m'intéresse. Alors, les nouveautés là, je pense que ça m'intéresse fortement. La palette, je ne sais pas encore, je verrai bien. Alors là, les gars, ça, c'est obligé que je me la prenne, même la collection là qu'elle va sortir. Je suis surexcitée à l'idée de tester ces nouveaux produits. Anastasia Beverly Hills nous sort une palette juste canonissime. Je crois que c'est une palette qui arrivera fin août ou début septembre, j'en sais rien. Et une collab avec Jackie. Vous savez, la youtubeuse métisse que j'adore, elle me fait trop délirer, elle est trop marrante. Et donc c'est une collab, mais la palette, regardez les gars, je vous mets la photo, elle est magnifique, je vous mets même les swatchs, c'est sublime. J'adore les palettes d'Anastasia. Je trouve qu'elle excelle dans ce qu'elle fait, Anastasia, que ce soit les sourcils, que ce soit les rouges à lèvres, que ce soit les palettes. Les palettes, c'est vraiment son point fort et qu'elle continue parce que honnêtement, c'est canonissime. Alors, vous avez vu, vous avez un violet, le Shocking qui est canon. On a un sorte de mort doré, un doré. Il y a un bleu, j'en sais pas trop si c'est un bleu ou un vert. Orangé, le Ginger doit être canon. Un autre violet, qu'un violet un peu prune. On a du rose. Elle est trop belle. On n'est pas d'accord. Elle est magnifique. Je la veux trop. J'ai hâte qu'elle sorte. Et oui, il y a un vert qui est juste canonissime. Elle nous met du marron. Il y a une sorte de bordeaux qui est sublime. La palette, elle est trop bien. Elle est trop bien, je pense, pour la rentrée, pour l'automne, là. Elle va être juste géniale. J'aime bien la coordination entre les couleurs. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'attire. Et je pense que c'est une palette que je vais adorer. Et je ne suis pas la seule, j'en ai parlé à mes collègues. Et dans la collection, elle ressort aussi deux highlighters poudre. Elle ressort deux nouvelles couleurs dans ses highlighters poudre, qui sont déjà sublimes, dans la Lose Highlighter. Elle sort le Vegas et elle sort le Peach Fizz, qui sont des couleurs un peu pêche, pêche dorée, mais trop beau. J'adore le Peach Fizz. Celui-là, il est vraiment canon, quoi. Je pensais que la palette, ça peut vraiment donner. Donc, deux nouvelles couleurs. Et là, pour le coup, je pense que je vais prendre, c'est obligé. Et attention, et elle nous a sorti un liner. Je suis trop contente. Et je pense que ce liner, c'est aussi la nouvelle collab avec Jackie. Donc, elle a fait toute une gamme avec elle. Comme vous pouvez voir, c'est avec un embout. J'ai envie de voir s'il est précis, s'il est bien black ou quoi. Mais j'ai trop, trop hâte, quoi. Donc, cette nouvelle colla, je pense qu'on l'attend vraiment, vraiment. Mais Anastasia, elle est en train de nous envoyer du lourd, là, pour la rentrée. Et je sais qu'elle sort une nouvelle poudre matifiante. Si je dis pas bien, je suis en train de chercher la photo. Mais il y a une nouvelle poudre qu'elle sort. Donc, elle sort vraiment beaucoup de choses. Et pour terminer, dans la Anastasia Beverly Hills,
Les gars, ça par contre, je pense que je l'attends aussi au tournant. Nouveau foundation, un nouveau fond de teint qui me parle trop, que j'ai trop envie de tester. Donc c'est un nouveau fond de teint, donc c'est un fond de teint lumineux. Et ça j'adore parce que moi je suis dans les fonds de teint lumineux. Donc je pense qu'il va me plaire. Il y a 50 nuances, donc c'est énorme. Franchement, il a sorti énormément de couleurs et je suis trop contente. Ils nous mettent aussi une couverture moyenne, finition naturelle qui ressemble et sans rayonnante magnifique. Peau vegan, sans gluten, no alcool, testé cliniquement, testé par le dermatologue. Enfin bref, tout le truc trop bien, no comédogène et adapté pour les peaux sensibles. Le fond de teint, les gars, je pense ça. Par contre, je vous ferai une revue, c'est sûr. Sur toute la collection Anastasia Beverly Hills, je vous ferai une revue. Franchement, parce que là, les produits qui vont arriver, ça va être juste une tuerie, quoi. Alors, je crois qu'ils mettent en magasin le 15 août. Je ne sais pas. J'ai pas vraiment les dates précises pour les sorties d'Anastasia, mais ça ne devrait pas arriver. Ça devrait être courant août. On a trop hâte. Franchement, je crois que c'est la collection que j'attends le plus. C'est Anastasia et il y a bien sûr Too Faced, bien sûr, qui arrive aussi pour les collections de Noël. Alors ensuite, on a terminé avec Anastasia, mais honnêtement, vous me direz en commentaire si ça vous intéresse ou quoi, si vous êtes intéressé par cette nouvelle collection. Mais moi, en tout cas, c'est sûr, parce qu'elle nous sort un fond de teint et je pense que là, elle aura fait la totale, quoi. Les palettes, le fond de teint, le liner, les poudres, les bronzers, elle a fait, les blushs, elle a tout. Anastasia, j'adore cette marque, je surkiffe sa marque. Ensuite, ce que j'ai pu voir, il y a un nouveau fond de teint chez Urban Decay qui s'appelle le Stay Naked. Franchement, j'aimerais bien le tester aussi. Je sais pas ce qu'il promet, ce fond de teint. J'aime bien le packaging, je vous mettrai la photo. Mais je suis quand même curieuse de le tester. Je crois qu'il y a un concealer qui sort avec. Je suis curieuse, mais en même temps, je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser. Je ne sais pas si vraiment je vais me le prendre. Est-ce que je vais le tester? Je vais demander à un testeur, puis je le testerai à la maison. Je sais pas du tout. Je sais pas ce que vaut le nouveau fond de teint liquide. Mais peut-être qu'il est très très bien. Donc j'attends de voir. Il y a un concealer, je crois, qui sort avec. Alors, à voir. Ensuite, la petite Riri, la petite Rihanna nous sort un nouveau foundation, nouveau fond de teint, nouveau packaging. Là, par contre, j'ai trop hâte parce que l'ancien ne m'a pas correspondu. Non, l'ancien, ça m'allait pas. L'ancien, il ne m'allait pas du tout, les gars. Là, elle sort 50 teintes, donc ce qui est énorme. Le Profiled Grating, je sais pas si je prononce bien parce qu'avec ma voix, comment te dire que ça me fait entre l'accent et la voix de Maurice, ça doit être juste particulier. Mais en tout cas, j'ai trop hâte de le tester. Il doit arriver là prochainement et j'ai méga. Ils nous mettent donc 50 nuances. Un nouveau foundation qui est parfait en fait pour la peau normale à peau sèche. Trop bien les gars. Formule de finition naturelle offre une hydratation dans une couverture moyenne à complète. Et apparemment c'est disponible le 15 août en ligne. Écoutez, moi j'ai hâte de l'essayer. Par contre celui-ci j'ai hâte de l'essayer et je pense que je me le prendrai. Et pareil, je vous ferai une revue sur le nouveau fond de chez Fenty. Voilà pour Fenty. Ensuite, alors là, Too Faced, c'est pas tout de suite. C'est là, plus tard, les collections de Noël. Oh my god, j'aime trop, je vous mets la photo. Collection pain d'épices, gingerbread spice, s'il vous plaît. Alors, on a un rouge à lèvres en pain d'épices, trop beau. Rouge à lèvres à la pêche dans un sac de maquillage en pain d'épices en édition limitée. Je ne sais vraiment pas si on aura cette petite trousse avec le bronzer là. En pain d'épices, c'est trop beau. Ah, je suis trop fan de Too Faced, vous le savez. Mais là, je craque, les gars. Je ne sais pas si on l'aura vraiment en magasin, cette trousse. Ça sera vraiment un produit très limité. Comment te dire que les personnes qui sont fans vont se précipiter sur le truc. Rouge à lèvres magnifique, bronzer. Je crois que c'est un bronzer. Trop beau. Par contre, le bronzer, ça fait mal au cœur parce que t'as le pain d'épices dessus. Ça fait mal au cœur d'utiliser. Oh, Too Faced, j'attends encore les nouveautés. Mais ça, oh my god. J'ai trop hâte. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre qui m'intéresse, les gars? Ah oui, vous savez que la marque Summer Friday est arrivée chez Sephora. En fait, ce sont des masques jet lag qui sont adorés par les américaines. Et franchement, j'aurais dû m'en prendre un. Ils ne sont pas donnés, mais il paraît que c'est une tuerie. Apparemment, c'est vraiment le masque qui te sauve pour l'été. Et je crois qu'il y a deux masques, je ne dis pas de bêtises, mais j'irai voir ça. C'est un masque sans rinçage et apparemment, ça fait une peau de ouf. Donc, c'est uniquement chez Sephora. Je crois que la marque est déjà arrivée, vous trouvez déjà les produits sur Sephora, jamais je vous mettrai si vous voulez en barre d'infos, mais j'aurais dû me le prendre et je l'ai pas pris. Donc les Jack Light Summer Friday, on va retenir son nom. Je sais pas s'il y aura d'autres produits dans la gamme, en tout cas ils sont là, ils sont sur les masques. Honnêtement, ça m'intéresse. Ah oui, il y a une crème chez Kiehl's avocat. Ah non, c'est un masque, masque hydratation avocat, les gars, ça a l'air trop trop bien. Ça me parle trop. Après, c'est sûr, il faut aimer l'avocat. Mais je pense que ça doit te faire une peau de ouf. Un masque en 100 grammes. Je suis beaucoup dans les masques en ce moment. Dans quelque chose de nouveau. J'ai envie de rechanger ma routine masque. Donc, je suis en train de regarder les nouveautés qui arrivent. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui! J'ai vu que, vous savez que j'adore Garnier. La Skin Active, donc pour me démaquiller. J'ai toutes les lotions pour me démaquiller le soir. Et là, il y a une nouvelle gamme qui s'appelle Water Rose. Ça a l'air trop bien. Donc, en fait, donc nouvelle gamme skincare de Garnier. Ça a l'air trop bien. Il y a la lotion. Il y a une crème, je crois, j'ai pas de bêtises. Ils nous mettent quoi? Ça comprend une eau micellaire nettoyante,
24 heures crème d'hydratation avec une crème solaire, les gars. 24 heures gel d'humidité et deux nouveaux masques Drap Glow Matte Boost. Donc vraiment des masques qui vont vous booster la peau. J'ai trop hâte de tester. Ce sont des produits qui arrivent au mois d'octobre, si je dis pas de bêtises. Garnier, j'espère qu'on ira en France. Et ça s'appelle Wild Rose. Et j'adore la rose. Donc ça, honnêtement, les petits produits de chez Garnier, je pense que je vais me les prendre. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai vu? Je vous dis, j'ai consulté tout. Ah oui, j'ai vu une palette chez Sigma. Sigma, ils ont des très bons produits, très très bons, notamment les pinceaux que j'adore. Ils ont fait une palette qui s'appelle Enchanted. Alors il y a pas mal de fards paillettes métal. La palette a l'air trop belle. Franchement, ils appellent Magical. Elle est magnifique. Les fards sont sublimes. La palette, elle m'intéresse quand même, quoi. Je sais pas encore, mais honnêtement, elle est juste sublime. Vous me direz en commentaire si vous l'avez vue. Je vous la mets bien sûr en photo. Il y a un pinceau avec. On a du rose, on a du marron, du noir. C'est très bien pour le smoky. On a du doré, super, on a un nude. Elle est pas mal la palette, elle est pas mal. Et ça, je pense que ça arrivera pareil courant août ou courant septembre. Ou peut-être qu'elle est déjà sortie, j'en sais rien en fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, la Charlotte Tilbury nous a sorti un nouveau fond de teint. Il paraît que c'est un fond de teint vraiment soin. Apparemment, quand tu portes le fond de teint pendant, je crois, 5 semaines, je sais plus. Il paraît que t'as une nouvelle peau, une peau plus jeune. J'aimerais bien voir, elle est beaucoup dans le soin. Ça s'appelle le Airbrush Flawless. Flawless, déjà ça te donne trop envie de tester. Il paraît que c'est une tuerie. J'ai vraiment hâte par contre de le tester. On est sur une couvrance moyenne, on ne sera pas sur une couvrance totale, je ne pense pas. Waouh, franchement la gamme Charlotte Tilbury, c'est vraiment canon quoi. J'ai vu sa masterclass qu'elle a fait, je crois, à Londres. La boutique, elle est trop belle. Ça m'aurait trop plu quoi. Franchement, la boutique, mais hyper chic. Et ce que j'aimerais aussi tester, mais elle est déjà sortie dans la gamme Charlotte Tilbury, et la crème, franchement, il paraît que c'est une dinguerie. Magic Cream, vous me direz en commentaire si vous l'avez testé. Apparemment, c'est une crème magique, mais il paraît que c'est un truc de malade. Ils nous mettent que c'est une crème hydratante à la crème magique. Sauveur secret de peau. Apparemment, il y a 8 ingrédients dedans qui permet vraiment d'apporter un truc de malade à la peau. Il y a un complexe de peptides qui permet en fait de, je crois, diminuer l'apparence des rides. Ça, c'est trop bien. Et qui améliore vraiment la texture de la peau. Donc, une texture, enfin, une sensation vraiment hyper douce. Il y a de la vitamine C. La vitamine, bien sûr, qui va pouvoir vous égayer le teint. Va avoir un teint vraiment de pêche. Donc, ça, c'est top. Il y a de l'acide hyaluronique. Ce qui est pas mal, l'acide hyaluronique, vous savez, qui permet vraiment de revitaliser votre peau. Et on a également de l'huile de rose musquée. Ah, antioxydant, beurre de karité, pardon. Trop bien, hein. T'as le beurre de karité, ça nourrit en plus à fond. Aloe vera, bien sûr, on sait que l'aloe vera apaise. Et on a de l'extrait floral et extrait de frangipané. Non mais la crème, vous avez vu tout ce qu'il y a dedans? C'est un truc de dingue. Ça par contre, cette crème-là, faut absolument que je me la prenne. Je crois qu'elle est sur, je l'ai vue sur Cult Beauty ou alors sur son site à elle. Mais franchement, la gamme soin de Charlotte Tilbury, j'ai trop été testée. J'adore ses rouges à lèvres. C'est trop beau ces rouges à lèvres. Et donc pour revenir au fond de teint, elle a fait 44 nuances. 44 nuances, ils mettent réduire l'apparence des rides jusqu'à 22% après 8 semaines, voilà, c'est après 8 semaines d'utilisation de fond de teint que vous avez des résultats. Ça hydrate pendant 24 heures. Qu'est-ce qui met une sensation fraîche sur la peau? Apparemment, il y a un mélange trop bien. Mélange breveté d'ingrédients naturels conçus pour limiter l'exposition de la peau aux polluants quotidiens. Donc écoutez, pour Charlotte Tilbury, pareil, je pense que j'aurai pas mal de revues à faire sur des fonds de teint parce qu'il y a plein de fonds de teint qui sortent. C'est trop bien, on a hâte vraiment pour cette rentrée. Et je crois que j'ai fait le tour dans ce qui m'intéressait en ce moment. Il y a encore plein de choses qui vont arriver, les gars, mais vraiment plein de choses. Sur le site Sephora, j'ai vu qu'il y avait des masques, masques pour hommes, fossiles. Vraiment, on va être au taquet pour les nouveautés Sephora. Franchement, j'ai trop hâte, je sais pas vous, mais j'adore la rentrée, il y a toujours plein de choses. Et voilà les gars, on a terminé avec cette vidéo nouveauté make-up. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, parce que c'est assez sympa de voir ces nouveautés, ce qui va sortir, ce qui nous intéresse. Vous me direz en commentaire ce que vous avez envie de vous prendre. Qu'est-ce que vous avez vu? Peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas vues. Dites-moi tout ça en commentaire, vous savez que c'est là pour ça, les commentaires. Et je suis tellement contente de vous retrouver, pour les à savoir. Prochainement, il y aura un haul mode également. Là, je vais pouvoir reprendre les vidéos un peu plus sérieusement à la rentrée. J'aurai peut-être un peu plus de temps. L'été, vous avez toujours un peu plus repos. L'été, cela coule, tout ça. Mais c'est vrai que j'ai pas trop le temps ces derniers temps. Donc, ne m'en voulez pas. Je suis toujours présente sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Insta, j'y suis également. Vous avez juste à cliquer dans les liens en bas. Et puis, bien sûr, si vous avez aimé, on like la vidéo. Des petits pouces bleus. Vous faites exploser les petits pouces bleus. Et n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. C'est gratuit. C'est tout simple. Vous cliquez. Il y a de la bonne humeur. Vous le savez, on a toujours la patate sur ma chaîne et la petite cloche bien sûr pour les notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. En attendant une prochaine vidéo, je vous aime très fort et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !